ตรียมยมบัตซีมาร์กลามจีในองค์ My name is Sima, the Grefji of the Supreme Court Chamber of the ECCC for the appeal proceedings in case 002/01. And I will now pronounce the internal regulations. Internal regulations governing the courtroom on public hearing date of the appeal against decision of the trial chamber in case 002/01. In order to ensure the public order, security and effective functioning of the courtroom during the public hearing day, the president of the Supreme Court chamber has established the following internal regulations governing the courtroom on the appeal hearing in case 002/01. 1. All persons who wish to attend a hearing shall be present in the courtroom of the extraordinary chambers in the courts of Cambodia by 8:30 a.m. in the morning and 1:30 p.m. 2. Participants and persons in the public gallery, except the venerable monks, shall stand when the Grefji announces stand and sit when the President of the Supreme Court Chamber announces sit down. 3. Participants shall maintain dignified and proper behavior in the courtroom at all times. Participants shall wear appropriate clothing. Their clothing may not display slogans, indicate their support for a party of the proceedings, or be otherwise offensive in any way. Banners and posters will not be permitted in the courtroom. 4. All cameras, camcorders, tape recorders, and loudspeakers are prohibited in the courtroom, except as approved by the President of the Supreme Court Chamber. 5. Smoking or bringing food or drinks inside the courtroom is prohibited. 6. All weapons, explosives, ammunition, and inflammable substance are prohibited inside the courtroom except for those carried by the ECCC's authorized security guards. 7. The use of cell phones is strictly prohibited. Phone cameras and phone audio recordings are also prohibited, except as approved by the President of the Supreme Court Chamber. 8. All persons are prohibited from changing seats or walking freely inside the courtroom. 9. Clapping or making loud noise is prohibited. 10. Walking needs to be authorized by the ECCC security personnel. 11. Children under 16 years of age are prohibited from entering the courtroom. Persons between 16 and 18 years old of age may enter the courtroom if they are accompanied by a parent or legal guardian, unless they are attending the public hearing as civil parties. 12. Pursuant to the internal rules of the ECCC and the applicable laws of the Kingdom of Cambodia, the President of the Supreme Court Chamber may take preventative measures or direct action against any person who breaches these internal regulations. Phnom Penh, 11 February 2016, President of the Supreme Court Chamber, Kong Srim. President de la Chambre de la Cour Suprême, Kong Srim. สมจิตกราบเชิญ
All rise. Veuillez vous lever. President, sit down. Président, veuillez vous asseoir. President, on behalf of the United Nations and the Cambodian people, the Supreme Court Chamber of the ECCC announced they resumed appeal hearing of the appeals brought by Nguyen Chi and Khieu Samphone against the judgment of the Trial Chamber of 7 August 2014. And the co-prosecutor's appeal regarding the applicability of the notion of joint criminal enterprise in its extended form in case 002, dated 19 September 2007, where Nguyen Chi and Khieu Samphone were charged. Greffier, could you report the attendance of the parties and individuals to today's proceedings? Greffier, Mr. President, all parties in the appeals proceeding in case 002/01 are the co-prosecutors who are present. Sont présents, les coprocureurs and sont présents, different streams are all present, les équipes de défense except sont toutes présentes, the International Council for Nguyen Chi, who is absent with no reason. Et n'a pas fourni de motif. The lead co-lawyers for civil parties are also present. Les parties civiles sont également présents. We also have 14 civil parties present for today's proceeding, that is on the 16th of February 2016, including Lai Boni. Man Yu So, Khun Sok, Chon Kum Khon, U Dao, Chad Kum Chun, Madame Tari, Madame Yum Sowan, Madame Sun Sut, Madame Pen Son, Madame Pen Thon, Madame Chad Vun, Madame Krot Li, Madame San Sochiet. Madame Sochiet. These are the 14 civil parties voilà who are present today. Qui sont présentes aujourd'hui. Mr. Nguyen Chi requests to follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Thank you. Depuis la cellule temporaire du sous-sol. Je vous remercie. President. Président. Nguyen Chi has waived his right, and the waiver is dated 16 February 2016, attached with a medical report. It is confirmed by the duty doctor for the accused. Le médecin traitant pour l'accusé des CETC confirme. He has requested to waive his rights to follow the proceedings from the room downstairs. Depuis le prétoire, les audiences et souhaite suivre. As the waiver is of a
proper form, the chamber grants Nguyen-Chir his request to follow today's proceedings remotely from a holding cell downstairs. The AV unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that the accused can follow. As you will recall, the Supreme Court chamber initially scheduled this hearing from 17 to 19 November 2015. However, the chamber was forced to adjourn the hearings and to reschedule it because Nguyen-Chir was not legally represented following his national co-lawyer's decision not to return to the courtroom following the morning break. A décidé de ne pas revenir dans le prétoire à la fin de la pause matinale. The chamber subsequently found that the national co-lawyer's conduct amounted to misconduct. In order to ensure that Nguyen-Chir's legal representation is secured at all times, the chamber also instructed DSS to appoint a standby duty counsel for Nguyen-Chir, who is in the courtroom today. Dans le prétoire aujourd'hui. Fini. Tout bay chi yang. However, the standby duty counsel will only take over if Nguyen-Chir's co-lawyers decide to absent themselves from the hearing. As I explained already at the hearing last November, the purpose of this hearing is to hear the parties' submissions on the appeals, in particular to reply to arguments contained in the responses to the appeal briefs. The parties also will have an opportunity to comment on the additional evidence the Chamber has admitted and to respond to the Chamber's questions, some of which have already been communicated to the parties. However, the Chamber may ask additional questions in the course of the hearing. In order to ensure an efficient use of time, the Chamber has decided to split up the appeal hearing into six thematic sessions, grouping the various grounds of appeal. The first five sessions concern the appeals brought by Nguyen-Chir and Kyo Sang-Pon. The appellants have submitted several hundred arguments in support of their respective appeals, alleging factual, legal, and procedural errors. The Chamber has attempted to group them to make it easier for the public to follow the appeal hearing. In an annex to the initial scheduling order for the appeal hearing, the Chamber indicated which grounds of appeal and paragraphs from the appeal briefs should be discussed in the respective sessions. I should highlight that sometimes this categorization was not easy to make, and some grounds of appeal could fall into more than one of the sessions. The first session, which is to start immediately after this introduction, concerns the grounds of appeal, alleging violations of the accused's fair trial rights, as well as the issue of whether the ECCC's internal rules are unconstitutional and illegal.
The second session concerns the grounds of appeal related to the trial chamber's overall approach to the evidence. This session is scheduled to commence the day after lunch. At the end of the day, time is reserved for the Supreme Court Chamber's questions on the subjects covered during today's sessions. Tomorrow morning, we will start with a session dedicated to the grounds of appeal related to the crimes for which the accused were convicted. After lunch, the chamber will commence with the session on the grounds of appeal related to Nguyen Chi and Kyir Sampon's individual criminal responsibility. We shall conclude this session in the morning of day three of the hearing. Also, on Thursday morning, the chamber shall hear submissions in relation to Kyir Sampon's arguments on appeal regarding the sentence imposed by the trial chamber. Thursday afternoon is dedicated to the appeal of the co-prosecutors, and there is time allocated for final questions by the chamber. During this last part of the hearing, the accused may also address the chamber in person if they so wish, in accordance with Internal Rule 109.5. As to the conduct of the individual sessions, in compliance with the applicable procedural rules, notably Internal Rules 108.5 and 109.4, each session will start with the report of the co-rapporteurs. I appointed the co-rapporteurs for the appeals of Nguyen Chi, Kyir Sampon, and the co-prosecutors in June of last year to address each aspect of the appeals. Sont censés aborder chacun des aspects de l'appel. Given the size of the appeals and the large number of grounds of appeal, the co-rapporteurs' reports do not attempt to summarize comprehensively and in detail all the submissions on appeal. Rather, they serve as an introduction to the relevant session and as an overall view to the general public of the issues raised on appeal. If a particular argument or ground of appeal is not mentioned in the report, this does not mean that the co-rapporteurs have overlooked it. Following the co-rapporteurs' remarks, the parties will be invited to make their submissions in the order indicated on the timetable. The parties are instructed not to go beyond the time allotted to them, as we are running on a tight schedule. Should it appear that particular aspects of the submissions require more time, the chamber has discretion to afford the parties additional opportunities to supplement their submissions in the time reserved for the judges' questions. This will not be done routinely, but only if strictly required. Furthermore, in keeping with Internal Rule 109.4, I would like to inform Nguyen Chi and Kyir Sampon once again of their fundamental rights under Internal Rule 21D. This provision reads as follows. Every person suspected or prosecuted shall be presumed innocent as long as his or her guilt has not been established. Any such person has a right to be informed of any charges brought against him or her, to be defended by a lawyer of his or her choice, and at every stage of the proceedings to be informed of his or her right to remain silent.
Before I move to the first session Avant of the appeal hearing, there are two more procedural issues that I would like to address. During the last proceedings, after the chamber granted the floor to Nguyen Chia, Nguyen Chia and his defense teams did not wish to make any further submission at the appeal hearing. This is also clear in their later appeal briefs, as well as in their new submissions for the reconsideration for the admission of new evidence. Also, yesterday's afternoon, the Supreme Court Chamber received an email from the defense team, which confirms that the defense does not intend to make any submission during the appeal proceedings or to respond to any questions by the bench. It is clear that Nguyen Chia does not wish to make any submission during the appeal proceedings. Based on this ground, the Supreme Court Chamber will make decisions relying on the thousands of pages of his appeal briefs. However, the Chamber would like to inform Nguyen Chia that this is the last chance for Nguyen Chia to make a submission on the substance of the pending appeals. And once again, the Chamber would like to inform Nguyen Chia that if he still stands by his decision not to make submission at this stage and whether he fully comprehends and accepts the consequences of this decision. However, if he wishes to change his mind, he shall inform the Chamber before the start of its semantic sessions. Révoquer sa décision, il est en droit de le faire. I would like to record that the timetable of the hearing, which was communicated to the parties as an annex to the scheduling order of 23 December 2016, provided for time for submissions of Nguyen Chia. Obviously, since Nguyen Chia maintains his position and will not make submissions, the timetable will have to be adapted. The other parties shall be prepared to make their respective submissions earlier than what is foreseen in the timetable of 23 December 2016. Second, the co-prosecutors filed a request seeking the Chamber's authorization to rely on additional authorities in their submissions at the appeal hearing. So far, no responses to this request have been filed. I therefore would like to invite the party to indicate whether they are opposed to the co-prosecutor's request, and if so, on what grounds. I would like now to hand the floor to the defense team for Kyu-Sampon. Oui, bonjour, merci Monsieur le Président. Good morning, thank you, Mr. Du côté de l'équipe de Kyu-Sampon, nous ne nous opposons pas à l'utilisation de nouvelles sources par les coprocureurs. Nous estimons que dans la mesure où la Chambre de la Cour suprême avait indiqué la dernière fois que, en fonction du développement des débats, il était possible aux partis de fournir des sources supplémentaires, même à l'issue des plaidoiries, il nous semble plus à propos de les avoir avant l'issue des plaidoiries, mais nous souhaitons évidemment avoir la possibilité également de pouvoir y répondre. Et bien évidemment, si nous avions des éléments supplémentaires à apporter, ces éléments supplémentaires en réponse. Voilà la position de notre équipe.
would like now to hand the floor to the lead co-lawyers for civil parties. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Mr. President, nous n'avons pas d'objection à l'utilisation de ces documents par le Bureau des co-procureurs. These documents by the Office of the Co-Prosecutors. Since there are no objections by the party, the Supreme Court Chamber hereby decides to grant the co-prosecutor's request. I would like now to move to the first session. Regarding the grounds of appeal relating to fairness of proceedings and constitutionality of the internal rules. The co-rapporteurs already made their remarks in the previous hearing. For that reason, we now move immediately to the remarks or submissions by the parties regarding this semantic session on the fairness of proceedings and the constitutionality of the internal rules. And first, I'd like to give the floor to the defense team for Kyu Sampon. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours, good morning parties, and good morning everyone in and around the courtroom. Bonjour aux parties et bonjour à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Like to make my remarks regarding the appeals. This is in relation to the fairness of the proceedings at the trial stage as well as at the investigation stage. I'd like to make the following remarks. Every accused has the right to a fair trial. This is fundamental throughout the world, and it is also fundamental in Cambodia. C'est fondamental aussi au Cambodge. The extraordinary chambers in the courts of Cambodia is supposed to be a model court, for the international community, as well as a model court for Cambodia. This ECCC was established in Cambodia following an agreement reached between the United Nations and the Royal Government of Cambodia, specifically emphasizing the rights of the accused to a fair trial, as enshrined in Articles 14 and 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Cambodia is a signatory. And that is also stipulated in the ECCC agreement. And the law on the establishment of this court, which was promulgated by the late King Father Norodom Sihanouk, which insists on respect for the accused rights. Sur le respect des droits the de l'accusé. Article 35 new of the ECCC law even specifies that the accused has the right at least to these minimum guarantees. À ces garanties minimales. According to the law and the human rights d'après principles, la loi et d'après Kyu Sampon was entitled to a minimum. Avait droit à ce minimum. He did not have it. Il ne l'a pas eu. From the outside, one might think that this is the case, that Kyu Sampon was entitled to lawyers to defend him. Kyu
Khieu Samphon was part of the same scenario during the Democratic Cambodia regime, as he was the Democratic Cambodia showcase. We, his lawyers, were the window to give credibility to this court. Permettant de donner de la crédibilité à ce tribunal. In reality, trial judges have never had the intention of letting us do anything other than decoration. Que de la décoration, especially not allowing us as defense lawyers to perform our duty effectively. Despite all the fundamental guarantees insistently referred to in the law and in some fundamental internal rules of this model court, and despite appearances, Khieu Samphon did not receive a real criminal trial. Un véritable procès pénal. He did not have a fair trial. Il n'a pas eu un procès équitable. And that is a shame for the international community, pour la communauté internationale. And especially it is a shame for Cambodia for allowing this injustice to continue upon human beings as well as upon Khieu Samphon. And I'd like to hand the floor now to my international colleague. Monsieur le Président, Mr. President, Mesdames, Messieurs de la Cour suprême, Your Honours, the judges of the Supreme Court chamber. C'est avec un sentiment étrange de déjà-vu que je prends aujourd'hui la parole devant vous. That I take the floor today before you. Il y a un peu plus de deux ans, just about two, more dans than cette two même years robe, ago, in this, dans cette same même salle, robes, à ce même pupitre, je m'adressais aux juges desk, de la chambre de première instance I addressed the judges of the trial et je les exhortais à avoir une démarche critique et impartiale. A critical and dire impartial approach. Que du côté de la défense, to say that au moment des plaidoiries, we, nous avions encore l'espoir d'un autre résultat, serait mentir. We hoped to see les signes étaient là. Another result would be ils ont été là pendant toute the la durée des débats. There, et le jugement du 7 août 2014 n'a fait que confirmer nos craintes. En réalité, le procès qui a eu lieu et dont aujourd'hui, M. Khieu Samphon fait appel du jugement, ce procès n'a pas été le procès de l'accusé Khieu Samphon en tant qu'individu. Il a été le procès d'un régime, un régime vaincu et un régime que la communauté internationale avait déjà condamné. Et dans cette condamnation générale, on avait également condamné d'avance M. Khieu Samphon. Condemned beforehand, Mr. Khieu Samphon. Comme j'ai eu à le dire en octobre 2013, au moment des plaidoiries devant la chambre de première instance, l'ironie de l'histoire fait que celui qui a été le représentant symbolique du Kampuchea démocratique en devient également le condamné symbolique au détriment du droit et au détriment d'un procès équitable. Parce que nous sommes au Cambodge, because we are in Cambodia, devant une juridiction internationale, before an international jurisdiction, nous ne pouvons manquer de faire le parallèle avec we cannot un autre procès but qui a eu lieu dans cette partie du monde, trial that qui s'est tenu dans les années 40, of the world, in the 1940s, devant le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, military tribunal for the Far East, le fameux procès de Tokyo. The famous Tokyo trial. Ce tribunal qui avait été chargé de juger des criminels de guerre japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, présente de troublantes similitudes avec le procès qui nous occupe aujourd'hui. À Phnom Penh comme à Tokyo, le procès a lieu dans un pays ayant subi les bombardements des États-Unis. À Phnom Penh comme à Tokyo, as in Tokyo, le procès a lieu à la suite de difficiles négociations politiques. Following difficult political negotiations. À Phnom Penh, comme à Tokyo, as in Tokyo, le procès a fait face à des difficultés financières. The trial faced financial difficulties. Il a été conduit
par plusieurs juges venant de pays différents. Drawn from several countries. À Phnom Penh comme à Tokyo. In Phnom Penh, as in Tokyo. Le procès a duré plus de 2 ans. The trial lasted more than 2 years. À Phnom Penh comme à Tokyo. In Phnom Penh, les accusés ont été représentés par des avocats. The accused were represented by lawyers. Et à Phnom Penh comme à Tokyo. And in Phnom Penh, le jugement qui les a Tokyo, condamnés sans exception comportait des centaines et des centaines de pages. Condemned them unexceptionally had hundreds and hundreds et pourtant, of pages. And yet, le procès de Tokyo a été Tokyo qualifié de justice was de façade. As il a été tellement critiqué qu'aujourd'hui, personne n'ose so vraiment faire référence à sa jurisprudence. Today, no one dares hélas, to its trois fois hélas, Monsieur alas, le Président, President, Mesdames et Messieurs de la Cour suprême, Honorable nous judges sommes of obligés the Supreme de porter Court les mêmes critiques à l'égard du procès qui s'est déroulé devant la Chambre de première instance. At the trial, comme à Tokyo, the trial chamber, le droit tel qu'il a été appliqué, il est contestable. The law as it was applied, comme à Tokyo, is la preuve aussi as in Tokyo, est contestable. The evidence is also on a questionable. Une masse de documents à l'authenticité douteuse. A mass of documents of comme à Tokyo, authenticity, des acteurs clés in Tokyo, et des personnalités importantes n'ont jamais figuré ni sur le banc des accusés, ni sur le banc des témoins. Never appeared as accused or as comme witnesses. À Tokyo, as in Tokyo, les accusés ont été soigneusement choisis pour ne pas déranger le pouvoir en place. Chosen in order not to disturb the government et comme à in Tokyo, power. And les accusés Tokyo, étaient condamnés d'avance. The accused were convicted in advance. Alors malheureusement, oui. Well, à Phnom Penh, yes, comme à Tokyo, devant les CETC, Penh, Tokyo, il n'y a pas eu de procès équitable de M. Que Sampan, parce que le but du procès n'a jamais été réellement de juger. The trial le seul never et l'unique really but était de condamner. Him, but to sentence him and convict him. That was alors, the à la différence objective. Du procès de Tokyo, unlike the Tokyo M. Que Sampan, devant Kyo-sampan, les CETC, before the ECCC, a le droit de faire appel. Has the right to appeal c'est the pour judgment, là, and that is why pour l'appel, pour cela que nous sommes aujourd'hui devant vous. We are here before you in these appeals hearings. Cet appel complexe appeal hearings, a eu lieu dans une atmosphère extrêmement tendue. Are being held in an extremely je ne vais pas revenir atmosphere. Sur les incidents qui ont émaillé notre arrivée devant votre chambre, mais disons qu'il y a eu beaucoup de tensions au moment de la rédaction de notre mémoire d'appel et que le caractère crucial de cet appel a été au cœur des préoccupations de M. Que Sampan et nous avons, en tant que défenseurs, donné cette priorité à cette procédure d'appel. Have given parce qu'il est évident, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur de la Cour suprême, que lorsque l'on a été chamber, condamné à perpétuité, l'appel have est crucial. To life imprisonment, the appeal is crucial. Alors les faits sont graves. The facts are serious. Les faits sont douloureux. The facts are painful. Il est difficile de rester serein quand it les enjeux sont si importants. To remain compose and calm mais nous when sommes dans une enceinte so de justice. But we are in a court of law. Nous ne parlons pas des faits. Pour we parler des faits, pour parler d'histoire, facts. Nous parlons des faits. For simply talking parce about facts and history, à la fin du compte, we il y a une application du droit qui doit se faire. At the end of the day, the law has to be applied. Une application du droit qui doit se faire avec la distance objective et la sérénité qui s'impose pour qu'une décision soit équitable. Cela n'a pas été le cas devant la Chambre de première instance. That has not been the case before this, before the trial chamber. Alors, critiquer so, en 210 pages un mémoire, to criticize dans un mémoire, 210 pages, critiquer un jugement de 777 pages exactement en français. Ce n'est pas chose facile. It is not an easy task at all. Je vais même vous dire que I would even tell you c'est impossible. That it is impossible. Et la tâche and a été d'autant plus difficile our task was que made even more difficult le jugement reflète la façon dont ce procès a été conduit, the judgment à savoir dans la confusion la plus totale. Trial was conducted. That is je reviendrai lorsque confusion. Nous aborderons la question de l'approche générale de la preuve, mais sachez simplement que dans notre mémoire, nous avions souhaité donner la priorité à brief, la masse et l'accumulation d'erreurs de fait et de droit, et que peut-être, pour le coup, dans la partie sur le procès équitable, nous avions un peu sacrifié les choses. Trial, mais n'allez pas croire things, que
cette partie sur le procès équitable est quelque chose que nous reléguons au second plan. Pas du tout. Ce procès équitable, il a été au cœur de notre bataille pendant toute la durée du procès, de 2011 à 2013. Et il est le fil conducteur de tout notre mémoire. Condamner Kyo Sampan était le but. Le but avant qu'il ne meure. La fin justifie les moyens. En tout cas, c'est ce que l'on comprend à la lecture du jugement de la chambre de première instance. Et ils sont parvenus à ce jugement de condamnation à la suite de violations répétées et délibérées du procès équitable au moyen de manipulations opportunistes et honteuses de la preuve. Ce n'est pas dans les 35 minutes qui sont éparties, qui nous sont imparties aujourd'hui, que je vais pouvoir rentrer dans l'intégralité de ces violations. Mais je vais vous prendre quelques exemples qui permettent d'illustrer mon propos, des exemples frappants et des exemples qui sont emblématiques du problème qui a sous-tendu toute cette procédure. Le point de départ, évidemment, le péché originel de la chambre de première instance, et qu'elle n'est pas venue, et qu'elle n'a pas pris les éléments de preuve pour juger, pour savoir est-ce qu'il y avait, au vu de ces éléments de preuve, suffisamment d'éléments pour entrer en voie de condamnation au-delà de tout doute raisonnable. Non, elle est partie d'une conviction de départ que Sampan est coupable, et ensuite il suffisait et il fallait arranger la preuve, interpréter la preuve, manipuler la preuve, déformer la preuve pour entrer dans ce cadre prédéfini d'une culpabilité de Kyo Sampan. Find Mr. Kyo Sampan guilty. Nous vous l'avions déjà dit, et là je vous renvoie à notre requête devant votre chambre en demande d'arrêt immédiat des procédures que nous avions formées en août 2013. Nous vous avions dit que ce n'était plus possible et que la seule solution que nous voyons à l'époque était l'arrêt des procédures parce qu'il était impossible, vu toutes les violations du droit à procès équitable de M. Kyo Sampan, de poursuivre et d'arriver à un résultat qui soit correct et en rapport avec les standards internationaux. Vous nous aviez répondu à l'époque que c'était trop tôt et que dans le cadre de l'appel, nous aurions à exposer nos griefs. Nous sommes là aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour suprême. Et depuis votre décision d'octobre 2013, par laquelle vous aviez indiqué qu'il fallait attendre l'appel, de nouveaux éléments ont été admis qui ne font que confirmer que jamais il n'a été question qu'il y ait un procès équitable pour Monsieur Kyo Sampan. Il n'était jamais question de conduire un fair trial pour Monsieur Kyo Sampan. Une juridiction extraordinaire. Ah, an ça extraordinary oui. Extraordinaire. Yes, extraordinary. Mais rappelons quand même que, aussi extraordinaire soit-elle, cette juridiction doit obéir à des règles. Et notamment, pour que le procès soit équitable à l'égard des accusés, il faut que les accusations soient extrêmement claires et soient définies avec un soin extrême. Je renvoie là au paragraphe 13 de notre mémoire d'appel. Et le problème, c'est que la Chambre, tout au long de cette procédure et pour entrer en voie de condamnation, n'a fait que violer le principe, par exemple, de sa compétence temporelle. Une compétence temporelle qui est quand même le béaba d'une procédure pénale. On juge des faits entre telle date et telle date, un point, un trait. Alors, au-delà de la violation de la compétence temporelle, il y a ce problème récurrent d'une disjonction impraticable qui fait qu'aujourd'hui, devant vous, nous plaidons et nous faisons appel d'une décision qui a, par exemple, pris une décision sur 5 politiques du PCK, alors que dans les faits, nous sommes en train d'examiner les faits concernant trois de ces politiques dans le deuxième procès. Oui, violation également temporelle pour entrer en voie de condamnation en recherchant à l'extérieur
de la juridiction du tribunal des éléments pour entrer en voie de condamnation. Et pourtant, et là je réponds à l'accusation, qui nous dit, mais le groupe d'experts qui a été à l'origine des premiers travaux en vue de la création du tribunal, ont dit dans leur rapport, rendu le 18 février 1989, ils ont dit dans leur rapport qu'il y avait la possibilité d'aller rechercher ailleurs les sources de planification et d'incitation. Et pourtant, ils omettent de citer le paragraphe 149 de ce rapport qui dit bien que la compétence d'un tel tribunal devrait être limitée à la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire du 17 avril 1975 au 7 janvier 1979. Or, lorsque vous lisez ce jugement, vous voyez qu'il y a une partie considérable de conclusions de la Chambre qui sortent de ce champ temporel. Et il ne s'agit pas, dans ces conditions, simplement de parler de contexte. Oui, c'est important de parler du contexte, si c'était simplement le contexte historique. Mais il y a également des conclusions, et notamment, je vous réfère à toutes les parties sur ce qui a été appelé le mode opératoire récurrent du PCK, qui est d'essayer de trouver à l'extérieur du champ temporel des éléments pour permettre une condamnation que les éléments dans le cadre du champ temporel ne permettaient pas de trouver. Alors, on a parlé de ce rapport en vue de la création du tribunal. Ce rapport avait fait plusieurs recommandations, notamment avait indiqué, prôné, que il ne fallait pas qu'il y ait de juges cambodgiens au sein de cette juridiction, ni de procureurs. Et les rédacteurs du statut des CETC n'ont pas suivi ces recommandations. En revanche, ils ont suivi les recommandations par rapport au champ temporel. Et soyons clairs, cette recommandation pour un champ temporel uniquement limité entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier 1979 n'avait qu'un seul but, celui de ne surtout pas impliquer les autres parties en conflit, à savoir les États-Unis et le Vietnam. Et quelles que soient les raisons qui les aient poussés à adopter ce champ temporel, il s'imposait à la Chambre de première instance. Quand on a choisi de rédiger les statuts des CETC dans ce sens-là, on avait l'expérience des tribunaux pénaux internationaux. On savait qu'il y avait le principe de l'interprétation stricte des dispositions conférant compétence à un tribunal international. En ne respectant pas ces règles pourtant claires, la Chambre a violé le droit à un procès équitable de M. Kyaw Sampan's right to a fair trial. Un autre exemple est la manière dont les débats ont été menés. Et pour bien comprendre cette partialité de la Chambre de première instance, cette volonté de condamner à tout prix qui était là au préalable, qui sous-tend tout son raisonnement au niveau du jugement, je vais prendre un exemple emblématique en mettant en parallèle deux interrogatoires de témoins. Et je ne vais pas prendre n'importe quel témoin, je vais prendre le témoin Pipoun, un témoin qui est important dans le cadre du procès 02-1, parce qu'il est le seul à avoir soutenu que Kyaw Sampan aurait participé à une réunion au cours de laquelle aurait été décidée l'évacuation de Phnom Penh. Le seul témoin. Et je vais mettre en parallèle l'interrogatoire de ce Pipoun avec l'interrogatoire de Mme So Sechat, qui est la femme de M. Kyaw Sampan. Et vous verrez que la démonstration est claire. Et quand je vous dis que la démonstration est claire, je vous demande non pas simplement de vous référer aux transcripts de ces deux témoins, mais d'aller voir les vidéos, parce que les images et le son parlent mieux. Pipoun, témoin à charge, pour la Chambre, dit forcément la vérité.
Il est le premier à comparaître. This was a defense witness. It was the et à l'audience du 1er août 2012, in the hearing of the first vers 11h49, August 2012, il est interrogé à l'époque par le conseil de Yensari. Et au cours d'un interrogatoire normal de la défense Yensari où counsel, il mettait en exergue des contradictions du témoin, voilà ce que le président de la Chambre lui dit au conseil qui fait son travail. Maître, vous ne pouvez pas faire des déclarations pour ébranler le témoin. Vous pouvez le faire pendant vos conclusions finales. Et puis, il indique au témoin, Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à la question. Et le président poursuit. And the president goes et Monsieur le Conseil, veuillez reformuler votre question et veuillez éviter de poser des questions visant à intimider le témoin et miner la confiance du témoin envers ce qu'il a déjà dit. Ni plus ni moins, on est en train de nous dire qu'on ne peut pas faire notre travail d'avocat de la défense. Il faut absolument protéger ce témoin à charge. Et ça ne s'invente pas lorsque vient le tour de mon confrère Verken, d'interroger le témoin. Le président s'adresse au témoin et lui demande de rester fort. C'est à l'audience du 2 août 2012, entre 10h53 et 10h57. Deux poids, deux mesures. Vient le tour de Madame Sauchet-Chat. Et là, autant vous dire qu'elle ne bénéficie pas des mêmes faveurs. C'est un tout autre son de cloche qui s'applique. And non seulement on ne la protège pas, mais en plus on l'agresse. They were not protecting et là, je vous renvoie her, à l'audience du 11 juin 2013. They et là, c'est extraordinaire parce que c'est le juge Lavergne qui l'interroge. Et je dois dire qu'il faut regarder les vidéos parce que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas le ton, vous ne voyez pas le visage, vous ne voyez pas ce qui sous-tend tout le fonctionnement de son interrogatoire. The functioning of counsel, these excuse me, could you refer me to the paragraph of your brief? Pourriez-vous nous dire de quel paragraphe dans votre mémoire d'appel il s'agit? We are trying to make some notes. It would nous essayons de prendre des notes et cela nous faciliterait la tâche. Je retrouve tout cela dans un instant. I will find this just in a moment. Si vous me permettez, Madame le juge, je vous donne la référence dans un instant. Sorry, I didn't mean to interrupt you. Je m'excuse, je ne souhaitais pas vous interrompre. Theme of thought. I will find it myself then, but I thought you had attended. Je pensais que vous l'aviez. Mais je reviens vers vous dans un instant avec la référence exacte. En tout état de cause, c'est sur la partie dans laquelle nous évoquons les réunions relatives à la décision d'évacuation et la preuve telle qu'elle a été utilisée par la Chambre. Et je vous donne les références exactes donc, du transcript au cours duquel Monsieur le juge Lavergne a interrogé ce témoin et vous le constaterez à la lecture. Voilà, avec l'aide de mon équipe, on m'informe que c'est le paragraphe 41 du mémoire d'appel. Et lors de cette audience du 11 juin 2013, le juge Lavergne, qui est censé être un juge impartial, se conduit comme un procureur intimidant et manifestement agacé. Et ainsi, Madame Sauchet-Chat a droit à des questions rhétoriques, moqueuses, ironiques et condescendantes. Encore une fois, allez voir les vidéos. Again, please look at the videos. On est dans le cadre d'un tout autre traitement que celui du témoin Pipoun. D'ailleurs, and in fact, les coprocureurs auront du temps supplémentaire pour interroger, j'ai envie de dire, pour cuisiner ce témoin. Question, I should say, or to interrogate, et l'accusation in fact, y va bien plus fort que ce qui avait été reproché à la défense à l'époque, au moment de l'interrogatoire de Pipoun, puisque le 11 juin 2013, vers 15h58, voilà ce qui est dit. Ça, c'est le procureur qui parle. Madame Sauchet-Chat, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui suit. Mon hypothèse est que vous-même et votre mari, vous vous êtes retrouvés pour monter de toutes pièces une déposition concernant un supposé départ de K3, départ des hauts dirigeants, et que de manière délibérée, malhonnête et cynique, en vue de tenter de mentir à cette chambre et d'induire en erreur chacun de ses juges,
Qu'avez-vous à dire à cette hypothèse? What may you say to this? Évidemment, à ce moment-là, nous formulons une objection et elle est rejetée. Là, il n'est pas question de savoir s'il ne faut pas intimider le témoin. On ne lui demande pas à ce témoin de rester fort. On n'explique pas à l'accusation qu'il convient d'attendre les conclusions finales, non. Après tout, c'est un témoin qui, a priori, est à décharge. On peut détruire ce témoin là-bas. So this witness can be destroyed, so to speak. Ce témoin qui, de témoin, devient presque un accusé. An accused person. Et ce n'est que vers la fin de l'interrogatoire, ça se passe le 12 juin 2013, 12 June 2013 entre 10h28 et 10h31, lorsque l'avocat des partis civils rend le micro après un commentaire déplacé sur la valeur de la déposition, que le président rappelle du bout des lèvres, après une intervention de la défense, que oui, il y a des propos qu'il ne faut pas tenir à la barre. Ce moment d'audience a été un tournant pour M. Kyo-Sampan et pour son équipe de défense. Il a été clair à ce moment-là que ce double standard, ce deux poids deux mesures, était ce qui sous-tendait la réflexion de la Chambre. Nous avons eu la preuve à ce moment-là que le déroulement des débats n'avait qu'un seul but, trouver, préserver, protéger tout ce qui pouvait être à charge, et glisser sous le tapis ce qui pouvait être à décharge. Et parler de la partialité de la Chambre de première instance revient à parler des éléments nouveaux que vous avez admis devant votre chambre. Là, je fais référence à une vidéo de Mme la juge Cartwright et également des extraits de l'ouvrage de M. Marcel Lemonde, ancien juge d'instruction. D'abord, parlons de la vidéo de Mme la juge Cartwright. Document E305.12.38R, sachant que il y a les transcriptions intégrales de ses déclarations au dossier. Statements are on the case file as well. En novembre 2013, Madame Sylvia Cartwright, qui était juge de la Chambre de première instance pendant le procès 02-1, juge qui a participé aux délibérations dans ce procès, in the deliberations in est invité apparemment à une manifestation à Washington, to an event in Washington, et elle est filmée à l'Aspen Institute. At the Aspen Institute. Novembre 2013. La date est importante parce que nous avons plaidé ce dossier en octobre 2013. A priori, c'est le début des délibérations dans notre procès. Honnêtement, je dois vous dire que j'ai du mal à comprendre comment un magistrat de cet acabit professionnel a pu penser qu'il était convenable de tenir de tels propos en public. Toujours est-il qu'elle les a tenus. Et voilà ce qu'elle dit. Elle parle d'abord du contexte politique. Et elle explique qu'à partir du moment où le tribunal n'a plus convenu aux visées politiques du pouvoir en place, rappelons que nous avons les mêmes dirigeants depuis la fin du Kampuchea démocratique, que ces derniers ont fait, je cite, tout ce qu'ils ont pu pour neutraliser le tribunal et le cantonner dans les limites qu'ils souhaitaient. Elle ajoute, je cite encore, on peut dire que les pourparlers entre les Nations Unies et les autorités cambodgiennes ont permis de retenir un groupe d'accusés potentiels livrés sur un plateau au tribunal. Elle parle également de ses collègues cambodgiens. Après avoir évoqué le contexte politique, et après avoir qualifié ce régime de terrible régime, atrocious. Nous sommes au début des délibérations. Et elle dit, en parlant des accusés, ils ont parfois donné des explications, mais leurs propos n'ont pas été convaincants. Elle poursuit à propos de ses collègues cambodgiens en disant qu'elle les entend parfois, je cite, en quelque sorte bougonner pour manifester une opposition à certains propos qu'ils entendent. Et elle rajoute que s'il arrive parfois à rester impassible, tout en grommelant
et elle les entend parce qu'elle est sur le banc des juges, elle pense, je cite, que ce n'est que peu de choses à côté de ce qu'ils pourraient dire et faire. Voilà ce qu'elle dit, Mme Cartwright, à un endroit public, alors que les délibérations dans le procès 02-1 venaient à peine de débuter. Alors, qu'elle se sente libre de parler du contexte politique, du vécu et du réaction, et des réactions de ses collègues cambodgiens, soit. Okay. Mais ce qui est extrêmement préoccupant, c'est lorsqu'elle livre ses opinions personnelles à elle, when she expresses her personal opinions. Qui fait partie de la composition de ses juges, qui étaient censés juger en toute impartialité. Voilà ce qu'elle dit. Supposed to try in full impartiality, and this is what she says. Je ne crois pas qu'il existe quelque chose qui puisse être considéré comme un procès tout à fait équitable. Et c'est vraiment difficile dans ce contexte. Et elle rajoute, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est la lutte contre l'impunité. Fighting impunity. Voilà. That's it. Nous avons résumé en quelques mots de la bouche même d'un membre de cette composition de la chambre de première instance, of the trial chamber bench, qu'elle peut se contenter d'un procès pas tout à fait équitable, l'essentiel étant de lutter contre l'impunité. Exactly fair, la lutte contre l'impunité l'emporte sur l'équité du procès. Fighting impunity prevails over the fairness of the trial. Alors, autant que nous sommes, nous avons tous été à la faculté de droit, nous savons que le procès school, équitable est le seul moyen de rendre justice. Trial is the only way to see justice. Sans un procès équitable, l'objet de la procédure judiciaire est mis en échec. Il est du devoir des juges de garantir l'équité des procédures, d'en être les gardiens et les garants. Et au final, nous sommes obligés d'arriver à ce résumé amer de la situation. Trois juges cambodgiens qui avaient du mal à écouter la preuve sans réagir négativement compte tenu de leur vécu. Une juge néo-zélandaise pour qui le plus important, si la lutte contre l'impunité, même si le procès n'est pas tout à fait équitable, exactly et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, and as I mentioned un earlier, juge français a French judge, à l'âme de procureur. Who is behaving like a prosecutor. Quand on régime les choses when comme ça, we sum up things Monsieur in this way, Mr. President, mesdames, messieurs de la Cour your suprême, honors of the Supreme vous comprendrez qu'il n'y avait aucune possibilité de procès équitable. No possibility for a fair trial. Ça n'a jamais été le but. This was never the objective, in fact. Et le jugement and en est la démonstration the la plus criante. Is the clearest demonstration of this. Autre élément de preuve, another element of evidence, les extraits the excerpts, du livre de M. Marcel Lemonde, ancien co-juge d'instruction devant the ce former, tribunal, a former co-investigating judge qui at this nous explique court, who document, to us, document E189/3/1/7.1.2 à l'URN 00893651 que lorsqu'il est arrivé devant les CETC, at the ECCC. Il a sympathisé avec un juge cambodgien qui lui a indiqué de se méfier de tous les magistrats cambodgiens. Et c'est lui qui soulève tous dans son ouvrage. Cambodian magistrates. Ou bien ils vivaient dans la peur du pouvoir en place, either they were living ou bien ils étaient proches, mais dans tous les cas, place, aucun n'était fiable ni indépendant. None of them was reliable, voilà ce que and none dit of them was l'ancien co-juge d'instruction qui a été à l'origine de l'ordonnance de clôture closing order says to us. Pour laquelle monsieur que Sampan a été renvoyé devant les CETC. Indicted, il parle également des pressions du pouvoir en place. Toujours, même and document, in the same ERN 00893657. Il explique qu'en raison d'interférences et de pression du gouvernement cambodgien, les témoins capitaux qu'il fallait absolument interroger, c'est sur ces termes, n'ont pas été entendus. Il parle également des réticences du gouvernement américain en disant qu'il n'a jamais pu obtenir les archives de la CIA sur le Cambodge contenant, je cite, des éléments intéressants pour l'enquête. Et ça, lorsque nous avons demandé le versement en preuve de ces extraits de l'ouvrage de Marcel Lemonde à la Chambre de première instance pour rappeler le contexte Marcel de l'instruction, rappeler que si un certain nombre court, d'éléments de preuve figurent au dossier, c'est qu'il y avait aussi une volonté, une manipulation de la preuve au départ, on nous a refusé. Et ce qui est intéressant également dans cette phrase de M. Marcel Lemonde, là encore,
Here again, un passage que nous avions, dont nous avions demandé le versement en preuve à la chambre de première instance et qu'elle avait refusé. And the trial chamber refused this request, and it's on page 202. It's page 202 of this book. Voilà ce qu'il dit sur ce qui l'a guidé au moment de la rédaction de l'ordonnance de clôture. Guided him when he wrote the closing order. Il explique que, compte tenu de la fragilité de ce tribunal, de l'âge des accusés, given the age of the defendants, l'avenir était incertain. The future is uncertain. And he said aussi, nous a-t-il semblé important de rédiger l'ordonnance de clôture comme s'il ne devait pas y avoir de jugement des Khmers Rouges. L'ordonnance contient donc des développements juridiques, historiques, factuels, qui n'étaient pas sans doute absolument indispensables, mais qui nous ont paru importants pour le cas où notre décision resterait la seule trace laissée par ce tribunal sur ce qui s'est passé au Cambodge entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1975. La Chambre n'a pas admis cet extrait de l'ouvrage de M. Marcel Lemonde, mais lorsqu'on lit son jugement, on est obligé de se demander we have to ask ourselves if there isn't some kind of recurrent modus operandi coming from the bench with regard to this case. Because we have to note that this judgment that we are appealing now is not a criminal judgment. It is a document for history. And here I must say a few words about a report that made a lot of noise recently by the Asian International Justice Initiative and the East-West Center, qui a porté des critiques d'observateurs extérieurs à l'égard de la manière dont le procès s'est déroulé devant la chambre de première instance. Et ça a fait beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Alors je rassure tout le monde, du côté de la défense, nous, on n'a pas d'amis particuliers du côté de ces organismes-là, mais nous constatons que lorsqu'on est un juriste, lorsqu'on a à cœur un certain nombre de principes, lorsque le droit veut dire quelque chose, eh bien oui, il y a des failles juridiques qui ne manquent pas de... Lorsqu'on regarde le jugement et lorsqu'on a suivi un petit peu les débats. Je le rappelais tout à l'heure, la Chambre a déjà tranché sur l'existence d'une entreprise criminelle à laquelle aurait participé Que Sampan. La cabine française croit entendre qu'il est 10h10 et que votre temps est échu. J'ai entendu, Monsieur le Président, je voulais simplement terminer à conclure. J'ai bien compris que mon temps était juste, je conclue les observations de ces matins pour vous simplement vous demander à vous d'appliquer le droit et de ne pas faire comme la chambre de première instance et de faire comme vous l'avez vous-même indiqué dans une décision du 26 juin 2013 au paragraphe 6, de faire en sorte que comme vos homologues de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont indiqué, de garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. C'est ce que nous vous demandons, en sanctionnant le manque d'équité dans la Chambre de première instance à l'épreuve. This is what we're requesting from you while condemning the lack of fairness that the trial chamber demonstrated. Président. It is now time for our morning break. Le moment est venu de prendre la pause du matin. Nous allons nous interrompre pendant 20 minutes. And resume at 20 to 11. The court is now in recess. 11h-20.